régionale. Je salue l'initiative de la jeunesse de l'Indiane qui a quand même porté ce projet. Nous, on est venus seulement pour appuyer. Je pense que c'est ce qui doit se faire dans pratiquement tous les quartiers. Et que commencer des projets et que les bonnes volontés viennent appuyer, c'est dans ce sens que je suis venu pour les appuyer et je le fais vraiment au nom de Dieu. Je le fais pas pour des arrière-pensées ou quoi que ce soit. Je fais pour appuyer les populations parce que c'est notre rôle aussi en tant que politicien d'accompagner les populations, d'aller vers les populations, de les accompagner par rapport au peu de moyens qu'on a. Ce n'est pas de grands investissements, mais quand même, je pense que ça permet de régler un problème de climatisation et que faire du social pour une morgue, je pense que quand on sait qu'une morgue, c'est l'avant-dernière demeure de tout un chacun, donc c'est important, c'est sacré et je pense que le bon Dieu nous payera de tout ce qu'on a fait. Oui, je pense que c'est le moment, je pense que dès l'instant qu'ils ont donné la date pour les locales, tout le monde s'active, hein. C'est normal pour nous autres de s'activer sur le terrain, d'aller vers les populations et puis d'essayer de... C'est vrai qu'on n'a pas encore carrément de candidat, mais pour moi je considère que notre candidat c'est le président de la République, c'est à lui qu'on doit vendre. Donc c'est sur ça qu'on est, essayer de faire le terrain, rencontrer, faire des visites de proximité. Je pense que pour moi la politique le plus important c'est les visites de proximité. Donc c'est la meilleure stratégie d'aller de maison en maison, rencontrer les gens, discuter avec eux, et c'est ce qu'on a entamé, et nous allons continuer à faire ce travail. Et moi je pense que quand vous allez au combat, c'est vrai qu'il faut peut-être voir ce qui se fait à côté, au niveau des adversaires, mais je pense trop calculer les adversaires, ça vous fait perdre du temps. Il faut que nous faisons ce que nous avons à faire, pour qu'effectivement, en janvier, qu'on puisse vraiment gagner les élections ici au niveau de Ziguinchor. Pour cela, déjà, il faut qu'il y ait une bonne entente. Il faut que quand même peut-être ce qui a été toujours nos tares ici au niveau de Ziguinchor, de pouvoir régler ça, c'est d'aller dans l'unité, prêcher la bonne parole pour aller atteindre les objectifs que nous serons signés. Régional.